Oui, ben, je m'appelle Jean-Claude Royer, je suis un petit jeune homme de 70 ans. Et puis, bon, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Tu as un bateau depuis combien de temps? Depuis 1972. D'accord. J'ai connu un jeune homme qui a travaillé avec moi, dont j'avais la responsabilité, qui était un type un peu fugueur et tout. Il était parti de notre métropole. Bon, je sais pas comment il s'était démerdé, il était mineur encore à l'époque. Il était venu jusqu'en Guyane en avion. Je sais pas comment il s'était démerdé. Il m'en avait parlé deux, trois fois. Moi, j'en avais un peu ras-le-bol de la vie que je menais en métropole. Et puis voilà. Moi, bon, dans d'autres circonstances, j'ai pris un billet d'avion et je suis venu en Guyane. C'est l'astronomie aussi qui m'a poussé à acheter un bateau, quoi, à partir comme ça un peu à l'aventure, à faire le tour du monde. Et puis voilà, quoi. C'est toujours des concours de circonstances qui ont fait qu'arrivé ici en Guyane, un copain qui était astronome amateur comme moi m'a dit « Oh putain, si tu vas en Guyane, va voir, j'ai des amis qui sont à tel endroit, à Rémire-Montjoly à l'époque. » Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Ils étaient possesseurs d'un bateau qu'ils vendaient. Je l'ai acheté et puis voilà, tout s'est enroulé comme ça. Maintenant, j'ai vécu au début en Guyane, j'en ai bavé un petit peu, j'ai trouvé une place de chef de chantier là dans mon boulot qui était l'électricité. Et puis après c'est pareil, la santé a toujours été un problème pour moi. J'ai attrapé le problème, les yeux qui me sortaient de la tête et tout. J'étais obligé de m'arrêter de travailler. Bon, j'avais mis un peu d'argent de côté, j'ai acheté le bateau et je suis parti faire mon tour du monde. Voilà. C'est abandonner toute une vie de merde, faite de contraintes, faite de trucs qui plaisent pas forcément. Et puis de toute façon, après, le peu d'argent que j'avais mis de côté, j'avais deux choses, où je l'investissais dans ce bateau, où je retournais en métropole, je me recherchais un logement, racheter des meubles, etc. Tout y passait, et puis voilà, puis ça aurait été la merde, quoi. Et donc voilà, ça a été une bonne utilisation d'un petit pécule qui a permis quand même de faire le tour du monde. En embavant, parce que bon, toujours pareil, des problèmes de santé les uns après les autres, donc pas trop d'argent d'avance, donc chaque fois obligé de travailler à chaque escale pour entretenir le bateau, manger, se nourrir, se soigner. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'entre une vie d'un employé modèle, je dirais, qui travaille, qui paye ses impôts, qui a une femme, des enfants, etc., et puis qui sont que des contraintes successives, le plus marquant, c'est de se retrouver livré à soi-même, savoir si on est capable de faire quelque chose. Et puis voilà, quoi. Tout le monde m'avait déconseillé avec mes yeux qui sortaient de la tête, les problèmes que j'avais, etc. On me demandait si j'étais suicidaire. Non, pour moi, c'était pas du tout un suicide. C'était au contraire une nouvelle vie, quoi. Les avantages, c'est quand on est un peu un sauvage comme moi, qu'on vit, bon, bien que moi, j'ai jamais vécu dans des quartiers vraiment difficiles, mais voilà. Qu'on a des voisins qui font du bruit le matin, le soir, la nuit, être obligé de... Tu rentres du boulot, trouver une place pour garer ta bagnole, être obligé de faire ceci, de faire cela. Quand tu es sur le bateau que tu es lancé au milieu des eaux, ben, à part le mauvais temps, à part les éléments naturels, il n'y a rien d'autre qui peut t'emmerder, quoi. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est la solitude. Moi, la solitude ne me dérange pas. Le futur, je crois qu'il est... Ouais, il est incertain, quoi. Hein. 73 balais avec des problèmes de santé, problèmes circulatoires, normalement. Je sais pas. Je sais pas si je crèverai ici, si je crèverai ailleurs, mais j'en sais rien. Et tu comptes rester à Saint-Laurent pendant longtemps ou continuer un peu tout? Ah, il y a 5-6 ans de ça, j'avais sorti mon bateau, je l'avais remis prêt à démarrer quand des problèmes de santé ont commencé. Et puis 5 ans, je me dis, bon, est-ce que tu pars pas, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais? J'aurais bien aimé faire un deuxième tour du monde, mais physiquement, je crois pas que j'en sois capable. Dans ma tête, oui, mais...